Et salut tout le monde, c'est PlaySilver et Oxy, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Lego Marvel Super Heroes. On espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on va se rendre à Central Park pour prendre le Stark Jet. Et on a du coup fait un petit peu de off comme on l'avait dit la dernière fois et on a déverrouillé Ant-Man que je trouve assez drôle. Il est moche par contre, hein, très ouais, moche. Ouais, il est moche. On n'a pas eu que Ant-Man, on a déverrouillé pas mal de trucs qu'on n'a pas forcément acheté et on a eu la brique rouge, on a dépensé donc 2 millions qu'on a dépensé sans compter. Et on a eu la brique rouge donc x4. Et du coup bah maintenant niveau argent ça va être pas mal. Donc moi je te propose justement de sauter de ce côté là. Moi je vais sauter de l'autre. Comme ça bah, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on va gagner comme argent rien qu'en faisant saut. Hop. Par contre attends, il faut que tu prennes. Oui c'était avec Spider-Man. Très bien. Du coup eh bien écoute, on va sauter ensemble. Tu me dis quand t'es prêt. Très bien. Je croyais qu'il fallait sauter. Travail d'équipe. Du coup je saute en planant. Je vais pas appuyer sur A et tout comme ça. Ouais on essaye d'avoir des pièces. Hop, parce qu'il y a pas mal de personnages à acheter du coup et on se rejoindra... Je précise qu'on était à 34 000 hein, avant de sauter, j'ai regardé. Ouais. Et du coup on va se rejoindre bah, à Central Park. Hop. Ouh bon bah j'ai... Et voilà, on est déjà à 383 000 hein, si jamais. Je tiens à le dire et le ok, pro... il faut aller là. Je suis là, j'y suis. Ok, j'arrive. Bah au pire, pour une fois c'est toi qui vas activer avant que j'arrive. Quoique la dernière fois je t'ai attendu. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh. What? Qui a-t-il? Je sais pas, j'ai appuyé sur un truc. Stark Industries. Ok, ça doit être le bon endroit. Je suis sûr qu'il faut que je vienne. Attends. Ah, mais moi j'ai un truc d'activer aussi, c'est pour ça. Bah attends, je vais venir vers toi. Hop, et puis de toute façon, Central Park, voilà quoi. Il a besoin de toi. Bah. Oh loup. Stark Industries, hein. Non, je suis de l'autre côté. Mais non, t'es là. Salut. Hop, bonjour. Ouais. Alors attendez, ça marche comment ça? Ah, j'ai compris. Voilà. Ici. Je me suis embourbé dans l'eau. C'est pas très pratique en plus avec la vie qui apparaît. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon. C'est donc bon. Donc on va avoir le Star Jet. Au début j'allais dire le Star Jet en référence à Star Lord. Donc t'as installé ça à Central Park. Normal. Les touristes. Starjet ou Starfusée? Starfusée. Il faut les rejoindre sur un astéroïde donc... Ça se plaît peut-être le Starfusée. C'était pas censé être construit. Ça se construit plus vite que dans Lego Batman 3 quand même. Hein. Yep. Ah c'est Stark. Avec une musique trop cool. La musique d'Iron Man. Exact. Enfin, de Stark. Ah, donc en fait, ton Stark Jet, c'est un Boeing 730. C'est un jet, quoi. Et il salue. Salut. Oui, c'est mon bébé. Alors par contre, je sais pas comment on rentre dedans. C'est mon bébé, mais je sais pas comment on rentre dedans. Oups. Pas comme ça. Alors attends. Faut que je trouve la porte. Ah, c'est de l'autre côté, je crois. Bah ouais, oui. Y'a eu Y, c'est bon, je suis rentré dedans. Très bien foutu, hein. Votre mission, si vous l'acceptez. Vas-y, accepte pas. Ta gueule. C'est la station spatiale de Magneto, l'astéroïde M. Nous avons peu d'informations à son sujet, mais elle doit être truffée d'ennemis et de pièges. Tout agent du SHIELD tentant d'y pénétrer devra agir avec la plus extrême prudence. Salut! Désolé, mais j'ai plus d'eau chaude à la maison. Cet endroit est vraiment parfait. Tu sais que c'est le dieu de la tromperie, n'est-ce pas? Son rôle est essentiel pour mon règne sur cette terre. Toi, tu pourras t'occuper du recyclage du métal. Hein? Oh, des intrus! Je m'en occupe. Docteur Fatalis, notre victoire approche. Alors comme ça, Fatalis a sa place de parking réservée. À la fourrière,
Oh les thugs! Ils ont cassé le vaisseau de Fatalis! Spider-Man. Moi je veux Iron Man, mais cette fois j'aimerais qu'on évite de me retirer mon armure et de me mettre en caleçon, s'il vous plaît. Hop! Go! Wouhou! Bon, comme d'habitude, hein, je me balance. Nous balançons. Hop! Hop! Merci de me tirer dessus. Hop! J'avais cru que je pouvais activer mon super sens pas loin. Hop! Voilà, hop! Mon sens d'araignée me chatouille. Hop. Ah oui, alors d'ailleurs, on a découvert quelque chose par rapport à Spider-Man aussi, tu peux leur montrer? Ah ouais, est-ce que je peux le faire en mission? Je ne sais pas. Je pense que oui, y'a pas de raison. Tu crois que je peux te décongeler? Hop! Non, il peut pas. Je change de perso. D'accord. Mais en gros, en mode libre, y'a un moyen de devenir Peter Parker. Peter Parker. Il suffit de rester appuyé sur Y pendant quelques secondes. Et d'ailleurs, vous aurez... Voilà, bon, on est déjà des Trouble-Livers. Très bien. Mais d'ailleurs, vous aurez remarqué que Spider-Man se lave en costume, hein, bien évidemment. Parce qu'on n'aime pas montrer notre identité. Hop. Ce coup là que je viens de faire, il est assez lent vu qu'il faut le faire trois fois, mais c'est très très classe, j'aime beaucoup. Hop. J'ai tué Thor, mais tu m'as pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrer. Moi j'espère juste que les gardiens de la galaxie vont pas tarder à venir. Parce que là on commence à aller dans l'espace et tout. Je pense que c'est dans le DLC qu'ils sont là. Mmh. Bah ouais, remarque. Bah quoique non, vu qu'ils sont présents dans le jeu de base. Ah ouais? Bah oui. Bah t'as bien vu qu'on pouvait les débloquer, il y avait Gamora. Hop. Je sais pas. Bon, le rayon, il me saoule, hein, clairement. C'est quoi qu'il faut détruire? Bah, je crois que j'ai détruit ce qu'il fallait, non? Tiens, va. Ah, ça, là, ce qu'il y a en face? Non, faut faire ça. Faire quoi? Ah bah, fais, alors. Fais. Hop. Oh, va falloir construire! Thor, le bricoleur. Oui, c'est bien lui. Thor, le bricoleur. Je pense qu'il y a un autre truc à faire de l'autre côté. Oui, c'est lui. Voilà, je pense qu'il y a pareil. Et voilà. Hop. Ah, bah nickel, un mini kit. Et paf. On va avoir de quoi construire le reste. Là, niveau pièces, on est déjà pas mal en plus pour éventuellement la prochaine brique qui sera le x6. Elle coûtera, je crois, 6 millions. Quelque chose comme ça, ou 3 4. Millions. 4 millions seulement? D'accord. Ce sera assez rapide à obtenir. Pourquoi je me suis envolé? Ah, pour ça peut-être. Faut s'approcher. Oui. 10 Spider-Man en courant un peu partout. Ah mais c'est toi qui le contrôlais en fait. Mortel, bah oui. Imprudent. Tes pouvoirs de dieu sont inutiles, le bûcheron. C'est fini pour vous. As-tu entendu ce que Spidey a dit? Je suis vraiment pas, pas tout. Tes pouvoirs de dieu sont inutiles, le bûcheron. Spider-Man, il va se prendre un bon gros coup de marteau en pleine tête. J'avoue. Ça va faire mal. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que tu vois, Iron Man et Spider-Man n'ont pas du tout le même âge, mais ils ont un peu le même genre d'humour, tu vois. Ça prouve qu'Iron Man est con. Ouais, mais c'est un con brillant. Spider-Man aussi, mais jeune. Et du coup, on peut dire que c'est un jeune con. Ouais, du coup, pour Iron Man, on peut dire que c'est un vieux con. J'adore comment part cet épisode. Alors, faut vous dire que là, depuis ce matin, on doit être à notre 5 ou 6ème épisode de tournée. Non, 5, 6 ou 7. 8. 8ème, ouais. Ouais, ça fait 8 épisodes qu'on tourne depuis ce matin. Donc, c'est un peu normal qu'on craque des fois, psychologiquement. Oui, parce que, on vous le rappelle, mais tout ce let's play est tourné d'une seule traite. En tout cas, avant sa diffusion. On avait que 2 jours. Tourner ça, là il va bientôt être 3h du mat. Exactement. Bon, c'est un petit peu de notre faute aussi si on met du temps, mais... Bam. Faut que je brûle ça, mais j'y arrive pas. Hop. Oh, mais ne te retiens pas, toi, hein. Fais comme chez toi. Nous, on monte, hein, tu te débrouilles, Iron Man. Hop. Et en plus, je crois que ça sert à rien, ce que je fais. Exactement. Ça sert à avoir de l'argent. Ah, le son d'araignée, je suis... Tiens, là, il y a besoin de Thor, viens par là. Boum. Ça. Hey, y a un truc en bas. Hein. Ah, bah en fait non, y a rien. Bah c'est bizarre quand même. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives à tirer le truc? Oui, c'est bon. Et paf! Y a un méchant qui est là, mais on sait pas trop pourquoi. Une fille. Regarde, juste là. Elle est là pour faire joli. Put
Tu sais, moi je voulais pas vraiment m'engager à la base, mais bon, c'était bien payé. Puis l'espace, j'ai toujours voulu, hein, donc voilà. Puis je suis électrique, quoi. Bon, je vais défoncer. Pas de pitié. Pour les croissants. Hop, Thor, on a besoin de toi. D'ailleurs, en parlant de filles, on a débloqué Spider-Woman, qui est vraiment moche, hein, pour le coup. Elle est dégueulasse. J'aime pas trop, ouais. On a débloqué Carnage. Carnage. Carnage et Iron Patriot. Ouais, et Scarabée. Et Hulk Rouge. Et du coup, Hulk Rouge. Et Mini Sentinelle aussi. Et l'autre Iron Man, là. Et ouais, Iron Man, Heroes, Age of Heroes. Age of Heroes. Bah, si, Age of Empire. Non, mais en anglais, c'est comme ça, je crois. Non, c'est Heroes, Heroes Age. Ou c'est pareil. Bah non, Age of Heroes, Heroes Age, c'est différent. Age of Age, as a different. Le craquage se fait ressentir. Le craquage, c'est génial. Ouh. Et je me balance. Et nous balançons, c'est un plaisir immense. Mais moi je me balance pas en fait. C'est même pas drôle, on s'en fout des pièces en fait. Non, là l'objectif c'est d'en avoir 1 million. Donc on est à plus de la moitié, c'est déjà bien. Hop. Tac. Ouais, 1 million par niveau, ça doit pas être si compliqué que ça. Ah non, mais enfin le mieux c'est vraiment d'avoir le score x10, hein, de toute façon. Hop. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas cheaté, parce que autant ces briques rouges, on pourrait les obtenir grâce à des cheat codes, mais ça nous intéresse pas. En tout cas, moi ça m'intéresse pas. Lui, il voulait pour Deadpool, mais non. Oui, moi je voulais juste Deadpool. Jamais. En gros, c'est vraiment des récompenses, là, ces histoires de briques rouges de score plus, parce que bah faut quand même les payer, faut les débloquer aussi. Sinon, tu es où? Je sais pas, toi t'es où? Moi je suis là où il faut qu'on soit. Bah parce que là il y a un truc en fait. Moi je suivais la trace des pièces. Moi je me suis perdu, je crois. Moi je suis avec Thor. Et Thor et moi on est au bon endroit. Ça j'en doute pas. Je suis là où il y avait un mini kit. Pourquoi on peut pas y aller là? Bah genre là il y a un truc par exemple. Faut construire un truc ici. Il y a besoin de moi? Ouais, il y a besoin de moi, c'est ballot. Je suis perdu. Là tu avances. Avance. Ouais. Avance. Ouais. Et là? T'es en dessous? Qu'est-ce que tu fous en dessous? Ah, je suis en dessous. D'accord, bah fallait le dire. Salut. Va casser ça. Faut que je casse quoi? D'accord. Attends, faudrait juste qu'ils arrêtent de me tirer dessus. Et... Désolé. Hop, je ne te toucherai pas. J'ai pour vocation de ne jamais taper un allié. Moi, je l'ai fait pareil. Dit-il après l'avoir fait il y a 2 secondes. Hop, boum. Ah oui, alors on peut empêcher les ennemis d'arriver, ça c'est cool. Oh, regarde cette force herculéenne. Sans toucher, tu construis le truc. Ah non, t'étais avec Spy, je croyais que t'étais Thor à côté de moi. La station tout entière se plie à ma volonté. Pensez-vous vraiment pouvoir me battre? En gros, si on le tue, on meurt. Parce que la station est tombée. Bah non, elle vole toujours, elle a des propulseurs, elle a des réacteurs. Rien à foutre. Allez. Bon, j'y vais, vous y allez, moi je me balance. Hein. Et je me balance. Wouhou. Boum. Comment je le repasse derrière en mode rien à foutre. Bzzz. Moi je les brûle. Voilà, parfait, ils sont morts. Fais gaffe, y'a moi derrière, merci. Ouf. Pas passé loin. Hop. On récupère des pièces. Eh, on y est bientôt, en Iron Man. J'arrive. Toujours là pour rendre service. Tiens, bah y'a Magneto qui est dans le tunnel. Bah je crois qu'en fait je le ramène vers nous. C'est ça. Alors qu'il peut contrôler toute la station. Se plier sa volonté. Bah oui. Rappelons-le. Rappelons-le. Là, il est en train de se dire. Non, j'étais pas là il y a 3 secondes. En fait, là, il est en train de prendre un petit café. On se tire. Vous osez venir sur mon astéroïde M, les mains vides? Je dis non! Bonne chance pour magnétiser le marteau de Thor. Oh, et j'ai aussi démagnétisé mon armure pour l'occasion. Moi, j'ai pris un bain. C'est tout. Il n'y a aucun mutant avec vous pour trahir les siens cette fois-ci. Ça change. Vous ne
me laissez pas. Et ce bain alors? Il était bien? Moi, je prends un bain. C'est tout. Oh, c'est un Big Magneto. Il m'a défoncé. Ah. Là, je pense que c'est vraiment la dernière fois qu'on affronte Magneto. Je suis où? Je me cherche. Je suis là. Je sais pas ce qu'il faut faire pour le moment. Alors moi, je me balance. Moi, je récupère de l'argent. Hop. Très bien. Il va y avoir un truc à construire. Je pense que ça va se passer exactement comme... comme la première fois, ouais. Comme sur Isla Numar, Norman. Et Noobra. Noobra. À l'autre bout du monde, sur une île du Costa Rica, vivait notre ami Jamon, c'était Isla Numar, je crois. Isla Numar, je crois. T'as vu ça où? Gilles Stella, un pote à Karim Debbache. Il a fait un rêve devant un spectacle de puces, pourquoi pas remplacer les puces par quelques grands diplodocus. Faut construire un truc? Dépêche-toi, Magneto, on a envie de construire à nous. Moi j'esquive. Ouh. Moi j'esquive. Ah, c'est bon. Il faut construire. Construire. Ouais, alors on construit. Un fer à repasser. Un fer à repasser. Et il faut moi. Très bien. Oh la vache! Boum! Oh sa mère! On le défonce! Je me tire. Je me tire! Ouais, ça va, là, on s'en sort bien. Et là, notre trio est génial. Trois personnages vraiment sympas. Y'en a aucun qu'on n'a pas envie de prendre. C'est ça. Bon, Thor un petit peu plus que les deux autres. Oui, parce que bah moi je kiffe Spider, toi je kiffe Iron Man. Ouais, à savoir que Iron Man c'est mon super-héros Marvel préféré, hein. Je crois qu'on l'avait dit au premier épisode. J'ai plus. Hop. Attention, il a un flingue! Ah! Il a pas un truc à faire avec ça. Je sais pas. Ah non. Mais non, mais... Oups! Excuse-moi, je regardais. Fais attention, Spidey. Désolé, je t'ai tué. Oui, merci de me prévenir. j'ai dit attention. Mais c'est plus pratique pour tuer les ennemis, ça. Ah! C'est bon, il va commencer à nous lancer les trucs. Ouais, faut juste attendre. C'est comme la première fois. Et je me balance. Je me balance. Attends, je vais me mettre en mode... Je peux pas me mettre en mode comme je veux, là. Si, faut que tu montes vers le haut, je crois. Voilà, comme ça. Il s'est pas visé. Hop, bon, allez, je construis... Allez, mec! Un truc. Oh, une citrouille! Youhou! Ah, c'est à tort. Hop! Il a un flingue! Wow, quelle esquive j'ai fait! Boum! Oh, t'as eu mon ralenti de salto! Vraiment pas mal. Et je pense que le prochain, bah, ce sera pour toi. Défonçons-le! Allez, mes frères, suce à l'ennemi! Hop! Il lui reste plus qu'un cœur. Ce sera pour le dernier coup! Il s'est fait, comment dirais-je? Violer. Si je ne m'abuse. Ah, c'est parce que c'était violent, ça, on n'y peut rien. Hein. Hop! Pendant ce temps-là, Spider-Man. Wesh, moi j'ai fait une grande écart. Une scie rotative. Attention, ça coupe. Quel génie du mal. Ah mon dieu! Ah bah il m'a eu moi. Et moi je regarde. Moi les mecs! Mais c'est parce que je suis le joueur 1, c'est moi qui l'attaque. Je suis sûr que c'est ça en plus. Tu sais, c'est toujours comme ça de toute façon. Non, là en l'occurrence il attaque à ras du sol, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Je suis quand même fait tuer. Y'a quelqu'un juste là. Hop. Moi je vous regarde. Bzzz. Tu me vois? Ouais, je te vois maintenant. T'es de la même couleur que Magneto en fait, c'est pas évident. Ne me tire pas dessus. Je peux pas. Je me voyais même pas sur mon écran, tu vois. En tout cas la musique est cool. Ouais, c'est vrai. On est en train de d'enlever tous les pics du combat, mais c'est cool. C'est ça. Enfin, mais bon, franchement, mon salto arrière au ralenti était très très bien. Hein. J'ai bien. Alors là, je pense que ce sera pour toi. Je peux pas construire. Ouais, moi non plus, je pense qu'il manque un morceau. Hop, donnez-nous le dernier morceau. Ou alors faut casser. Je suis mort? Non, je suis là. Oh non, il manque bien le dernier morceau. Hein. Bzzzzoom. Hop, mais tue les ennemis, toi. Tuez les ennemis? Pardon, nous sommes des super-héros, nous ne tuons pas les ennemis. Pff. Je les décapite, tout au plus. Je ne m'appelle pas Batman. Ah. Ah, c'est bon, bah je te laisse construire, écoute. Hein. Moi, je vais en premier plan et tout. Est-ce que je vais faire un bain? Salut! Je suis Iron Man!
C'est même pas à moi. C'est à moi? Non, c'est à Thor. Ah, c'est à Thor. Tu veux le faire? Bon, allez. Ok. Je l'ai raté. C'est bon, je suis pas mort. Hop. Marteau de Marley. C'est Mjolnir. Mjolnir. J'ai tiré un truc sur Magneto. Je savais pas qu'on pouvait lui tirer dessus. Ouais, c'est Spidey. Allez, Spidey. Allez, Spidey. Headshot. Je vais aller le finir. Ah bah, trop tard. Docteur Fatalis, j'ai besoin de votre aide. Ignore-le. Concentrons-nous sur la tâche à accomplir. Ça alors. Oh, bah ça alors. Bon alors, à la base, tu fais ça, tu meurs, mais sinon, ouais, tranquille. Mais c'est un mutant, c'est ouais, on a Magneto, je vais pouvoir enfin déverrouiller, comment il s'appelle l'autre là, le sorcier. Le sorcier, ouais. Et bon, niveau argent, on a rentabilisé notre achat, je pense. Quasiment. On a 1 400 000. Hop. Nous sommes des True Believers et... Ça se renonce True Believer. True Believer. Et on continue l'histoire. Je sais pourquoi t'es ici. Dis-moi, comment empêcher ton patron de dévorer la Terre en apéritif? Ma planche. Pourquoi Fatalis en a-t-il besoin? Loki va utiliser le pouvoir cosmique. Nous n'avons quasiment aucune chance de sauver la Terre, même avec ton aide. Le mieux, c'est d'empêcher Fatalis d'agir. J'ai demandé de l'aide extérieure. Le labo est comme neuf. Ici l'agent Hill du SHIELD. Le directeur Fury a besoin de votre aide immédiatement. L'agent Coulson sera bientôt là pour cueillir Magneto. On arrive. Maman, tu m'achètes un lapin? Quoi? Où suis-je? Je vais chercher le balai. Je pourrais avoir un balai. Et du fromage aussi. De l'aide extérieure, est-ce que tu penses aux personnes auxquelles je pense? J'espère. J'espère, ouais. Si ce sont eux, ce sera cool. Ce sera vraiment génial. Alors écoutez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite faire tourner à l'héliporteur pour acheter un ou deux personnages. Parce que ça peut être intéressant. Puis bah on va... Qu'en penses-tu? Non. Puis on se laissera après. Ok, voilà. C'est la question que je voulais savoir. Hop. Ah, très bien. Mais non, on ne se laisse pas, voyons, cette vidéo va... Va durer pour l'éternité. Hop. Hop. Puis, on est, je crois qu'on est à l'épisode 13, là, il me semble. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Il y a de fortes chances que, peut-être pas le prochain épisode, mais celui d'après, l'épisode oui. Final. À moins qu'on ne veuille faire durer la chose, c'est-à-dire que l'épisode prochain, on le fait un peu plus long que les autres. On verra, parce que peut-être qu'on va vous faire quand même un petit épisode, entre guillemets, bonus, où on fera un peu d'annexe, en fait. Un peu de off, ouais. Bah du coup, ça sera pas du off. Non, c'est pas... Si, c'est on va faire les salons, on va s'arrêter là, puis on va faire du off, comme ça, on va le faire santé. Je dis oui. Du coup, on achète qui, comme perso? Attends, déjà, je vais prendre Magneto, il est débloqué, ou... Non, faut l'acheter. Achète-le. Bah, du coup, je vais le chercher. Ah, Carnage, je le prends, voilà, je le voulais. Limiteur de dégâts. Mais non, mais prends pas. Magneto, mais c'est bon, on est riche. On est riche, je dépense sans compter. Hop, j'en déglace. Bah, prends, comment il s'appelle? Ouais. Scarabée. Non. Armin. Non. Ah oui, on a plus beaucoup d'argent maintenant. Mince. Non, prends un que j'ai galéré à. Pas le destructeur. Okay. Ah bah, Red Hulk. J'ai galéré à débloquer. Red Hulk. Ouais, voilà, déjà, pensez. Le petit rouge. Oh, mais il a trop la classe! On va vite fait le prendre, je pense. Et qui est-ce qu'on pourrait prendre? Non, pas ici. Non. Oui! Bon, gros bras? Ouais. Ok. Bah écoute, on va juste. Ah, bah on aurait dû prendre elle. On va rapidement regarder attends, à quoi ressemble. Tu veux des sous? Attends, vite. Non, mais attends, d'abord tu. Montre-leur au pire, éventuellement, là, celui qu'on vient de prendre. Pourquoi je peux pas changer de perso? Alors attendez. Montre-leur éventuellement là, le gros bras de sable. Attends, je vais juste prendre un peu de sous. Moi je veux juste Hulk rouge. Hop. Voilà, on a des sous. Alors attends avant de te re-TP.
C'est assez pénible ça. Ça me fait revenir au point de départ. Ouais bah moi c'est pareil quand t'étais quand j'étais en jeu. Ah mais c'est normal, le crew j'y ai de l'autre côté en fait. Il est là. Hop. Oh la classe absolue qu'il a quoi. J'ai un peu galéré à le débloquer. Non j'ai pas du tout galéré. Non t'as pas du tout galéré à le débloquer. Pour le trouver éventuellement mais. Il est vraiment classe, ouais. Je vais tester lui. On va sûrement acheter d'autres personnages en. Il vole. C'est qui, Scarabée? Oui. Oh. Alors moi j'avais cru voir qu'il y aurait Giant Man dans le jeu, mais en fait a priori non. A priori pas. A priori non. Bah c'est vrai qu'en termes de gameplay ce serait bof, je pense. Alors il y a. Mais ça aurait pu être sympa. On va vous montrer. Je suis dit où le gros bras? Vers la droite je crois. Ah à gauche. Ah. Boum. Ouais. Ah ok. Ah mais c'est pas. En fait c'est juste un acolyte. Ouais c'est un acolyte en fait. Bon bah remarque je trouve qu'il a plus de classe. Il fait un peu penser à Gueule d'Argile. C'est ça. Il fait beaucoup penser à Gueule d'Argile. Bon eh bien écoutez les amis, on va se laisser ici. Je crois qu'on vous a jamais montré le Hulkbuster à la limite. Prends le Hulkbuster. Bah attends je vais le prendre vite fait. Et est-ce qu'il peut se retransformer? Regarde j'ai des petites ailes. Attends mais. Bon bah voilà le Hulk rouge du coup. Très bien. Du coup, écoutez les amis, on va se laisser ici. Tu savais pas c'était qui le Hulk rouge? Non, je savais pas. Fais start. Dommage. Attends. C'est le général Ross? Ah bah oui, effectivement. C'est pas bête. Il a plus une tête de marin là, par contre. On va juste regarder du coup le Hulkbuster et puis après on va se laisser. Quoique on l'avait peut-être déjà montré, je ne sais plus. Bref, voici le Hulkbuster. Pas très beau, hein, j'aime pas trop. Mais on l'avait vu de toute façon lors d'un épisode en tant que boss. Donc quoi qu'il en soit les amis, on se laisse ici pour cet épisode, on espère en tout cas qu'il vous aura plu, si c'est le cas, bien n'hésitez pas à nous le dire la fin dans les commentaires et à laisser un petit like. La fin se rapproche à grands pas, ça aurait été un let's play pas très très long, mais c'est en même temps ce qu'on voulait. C'est un peu long pour nous quand même. Bah enfin non mais nous c'est parce qu'on enchaîne, je veux dire en termes d'épisode ce sera pas un let's play très très long, mais c'est ce qu'on voulait pour pouvoir justement vous le tourner rapidement. Voilà. Regardez il y a un peu aussi Nova, voilà on l'avait peut-être pas présenté, ah, oui. Hop, non. Un peu accéléré, voilà. Accélération et tout. Hop. Je vais voler devant toi, je veux que les gens me voient. Ouais, bah je sais pas où t'es. Bref, du coup, on se laisse ici pour cet épisode. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Et à bientôt. Salut. Allez, bye.